tu nous réduis à l'impossible dans tes deux mains. Et sans jette de ta défense, tu ne comprends pas, car nous avions une belle histoire. Tu n'irais pas, par contre t'écris, défonce les murs de ton appart. Bonjour tout le monde, ça va bien? On essaie avec plus d'enthousiasme. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bon, ça j'aime ça! Pour ceux qui s'en souviennent pas, je m'appelle Juliane, je suis en secondaire 5 en équitation à Cardinal-le-Roi. Et moi, je suis Clara Mauger, je suis également en sport-études avec Juliane. Comme certains d'entre vous, nous en sommes à notre premier rendez-vous des écoles francophones en réseau, mais nous tenions à vous dire que nous sommes honorés d'agir en tant qu'animatrice pour cet événement. Veuillez noter que le code du Wi-Fi pour cet événement sera le CSC, barre de soulignement, refaire. Le mot de passe sera le refaire 2017. Vous trouverez tout cela dans la pochette que vous avez reçue, ainsi que les informations concernant les activités du refaire, les ateliers et les repas. Cette année, le refaire vous présentera plusieurs nouveautés. Mais tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que vous avez l'obligation d'utiliser votre appareil électronique afin de tweeter ou avec le mot-clic, le hashtag ou la balise « Refaire Edu ». Également, vous pouvez prendre des photos, enregistrer, snapchatter ou autre. Vous devez participer au défi photo. Cette année, en tant que nouveauté, nous avons le Salon des exposants qui a été renouvelé, ainsi qu'un défi évasion. Ah oui, ça a l'air cool. Il s'agit d'une activité durant laquelle vous devez résoudre une énigme en temps réel grâce à l'esprit critique, au travail d'équipe. La créativité, la résolution de problèmes et tout ça avec du numérique. Ça va être cool. Également, tout au long de cet événement, nous serons épiés par des élèves du Collège Beaubois, une école privée à Montréal qui a eu un accès privilégié aux activités du REFAIRE. Ils viendront nous en parler durant l'activité de clôture. Accueillez-les! Merci beaucoup.